Ah, mais j'aimerais bien, parce que si c'est des paroles qui se perdent, non, ah, non, non. Bà thông anh chơi lục thầy phong số chơi top tận năng sầm nuôi trong cày để số lần đời mì tử vi tầm năng đầm năng rập rập ini ở mày mày ni il faut reposer un peu. Oui, je disais donc que durant bà cette mày mày période ni khi nhom ni dây tha j'ai nư perdu pel d'abord nong ma khi nhom belle-sœur bắt et bong ensuite j'ai bôn perdu ma lai fille srei bọc nhóm qui tọa était mọc con morte de srei bọc faim nhóm đai parce que le jour slap du đai ọt matin à ha elle phụ phụ nư pel devait prực mourir đai la seule chose qu'elle m'a khi nia demandé slap nô c'était vây đai khi nia maman som nô est-ce tha qu'aujourd'hui tu mạ peux encore me donner un bol de riz khi nhom mais ce som bol de bai riz je mùi n'ai con jamais chan reçu ce hay jour-là khi nhom puisque ce jour-là oi il n'y avait pas de bai nourriture ọt mien bai et une oi heure après chăng son décès hay c'était mùi la mong petite krai nièce mọ à nia côté slap qui a hay rendu l'âme hay et pa toam ce mọ tiet jour-là mien j'ai khmuoy dû khnyom mùi tiet enterrer les deux slap corps dai moi-même hay car ngày elle nous était nó venue pi nous nè nó aider. slap ở khi Et cọp tăng pi une nè semaine après, và c'était la mẹ tất grande cào nièce một qui tiết nữa elle-même ta khmui khi nhom s'en mùi allait. tiết Mais elle était morte comme ça de faiblesse parce qu'à 18 ans, elle n'était déjà slap plus đòi réglée. Elle n'avait plus ọt ses cầm règles. lăng Et chừng ọt rồi đâu elle ọt aussi, ấy je phong l'ai là dụ đã bầm enterrée. bảy cho năm Et là lại slap từ troisième petite nièce aussi est morte à hay une semaine d'intervalle. Donc j'ai perdu toutes mùi ces tiết personnes-là. slap Et đây le chẳng dernier nhom bắt petit neveu, bong lui, pôn tiếng ọt nâng hay khmui mort, lui, pro massacré mùi par les tiết Khmer Rouges parce qu'il a khmer été cơm volé sầm de la đời nourriture xa chez kê từ Madame luộc Chen, qui était la chef, từ luộc la à femme du ha chef du village. từ luộc à ha bà pôn bà thiên phum chẳng kê có sầm lạp từ Merci Madame Afonso. Métavi, bà J'ai sommes une à quoi dernière question à vous poser Afonso, sur ces nous événements tiết, tant de que je souhaiterais citer hay khi nhóm le sum procès verbal de votre audition du 7 septembre 2009 pour les besoins de la transcription. Il s'agit du document D199/15 à la page 7. ERN 00 34 81 84 69 36 en anglais et 00 34 91 20 dans ce procès verbal vous avez déclaré que l'organisation dans le cas Khmer Rouge était très bien structurée et que toutes les décisions prises vous étaient expliquées comme des décisions venant d'Anka. Vous avez également déclaré que je finis juste la citation et je vous laisserai la possibilité de nous l'expliquer après. Vous avez dit également, je pense aujourd'hui, que les dirigeants Khmer Rouge voulaient éliminer ce qu'ils appelaient le peuple Khmer, en nous laissant mourir de faim et de maladie. Et vous pouvez-vous nous expliquer ce qui vous a fait dire ça? Je pense aujourd'hui, je pense aujourd'hui, je pense aujourd'hui. Nếu năm pi pòm buôn khi nhom ban là gì trắng hay là lâu có khi nhom gì trắng đây nếu năm mà pòm buôn đó chết sầm buôn khi nhom cất trắng đây lâu khi nhom ra xa chầm lại khi nhom nếu để cất thằng ông cá trong cùng tích văn nạ sòng cung rồi ba nhà buồn nít cứ chỉ miền ca krong túc hay đòi chết tận á túc ao cái slap đòi ọt à hả vì bố thà rồi crowd ở đâu chùm rốt nó kê mọ đất sâu chênh tàu tưởng ó hay tục tích bằng phốt tục ao dương hộp tại pi con chan chỉ cơ một ngày thì hay kì vô tàu tưởng ó chấn hay rồi
chăng rọt đong cái thưa chăng chăng hay nơi pê là đâu chrốt nưng cái ới jeung rieng chraun tích tới ới jeung miên cumlang chrốt cắt hay ta pê là chrốt cắt hay nưng cái đắc srâu tới tằng ơ hay chăng tục tới bần tích bần tuội ới jeung chăng jeung pê là chrốt hay nưng mò robob aha nưng bò ta đael chăng khnyum sân tha tha ni vi đâu chetana hay ca đâu mần ới thnam mần ới aha ni ni có chia chetana đai cứ chi ca riep ca riep chom đai krong tục chi mun hay khim có tha krong tục đai mọt cha tiệt phong. Vous dites que dans la même déclaration que toutes les décisions vous êtes expliqué comme des décisions venant d'Ankar, pouvez-vous nous donner des exemples? Je ne pourrais pas vous citer un exemple précis. C'était au nom d'Ankar. C'était au nom d'Ankar. Chèque cap camarade, vous devez travailler. Nâng tùm lúc chú mua tùm lúc mềm mai hay vô ta bê là kê xăng tùm lúc nó sắp ta chê srei mềm mai tăng ốc hay khi nhóm có chô ruông lực tùm lúc nâng đè kê tùm lúc nó chú mua ta tùm lúc mềm mai. Merci Madame Afonso. Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions. Je laisse la parole au coprocureur. Je laisse la parole au coprocureur. Monsieur le Président, merci Monsieur le Président et bon après-midi à vous, ainsi qu'aux autres membres de la Chambre, à toutes les parties. Et bonjour à vous Madame Afonso qui témoignez depuis la France et nous en sommes bien reconnaissants. Nous avons à peu près 30 minutes de questions à vous poser qui seront réparties entre mon collègue et moi. Vous avez dit également avoir résidé près de l'hôpital chinois et avoir vu des malades être évacués de l'hôpital chinois. Est-ce qu'à votre connaissance, l'ensemble des blessés ou des malades étaient également évacués de cet hôpital? Absolument. Merci. Le 17 avril, vous avez dit que la population avait accueilli avec joie
enthousiasme les Khmer Rouges. En retour, comment les soldats Khmer Rouges se comportaient-ils vis-à-vis de la population? Est-ce qu'ils ont manifesté leur joie, partagé cette joie avec la population? Ou bien avaient-ils une autre attitude vis-à-vis de la population? គាត់គេមានអារម្មណ៍ថាបាត់ផ្សេងចំពោះប្រជាជនដែលហូកញ្ជ្រៀវអបអរសាទរនោះចំឡើយពួកគេមើលមកប្រជាជនដោយការមើលងាយបំផុតពួកគេដូចជាមិនចង់នៅក្បែរប្រជាជនអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានប្រាប់ហើយពួកគេមិននិយមសំបីតែញញឹមដាក់ជើងក៏មិននិយមដែរមិនគឺថាមើលមកដោយមើលងាយតែម្ដងអាការកលិចមើលនោះ Merci. Lorsque l'ordre a été donné d'évacuer la ville, le PDK a été mis en place. Vous avez mentionné tout à l'heure que c'est un peu plus de temps. Non, le prétexte pour Merci. Vous avez dit que les Khmer Rouges n'ont pas été sans cesse cet ordre. Malgré le fait que vous n'avez pas été physiquement menacé, au moment où l'ordre d'évacuer était donné, est-ce que vous aviez le choix, selon ce que vous aviez compris à l'époque, le choix de quitter ou de rester? Nous n'avions aucun choix. Merci. Dans votre déposition devant les juges d'instruction, vous avez dit, c'est dans le document D199/3 en anglais et page 6 en khmer, IRN 00-3491-09-09. Vous avez dit qu'au moment de quitter la voiture était trop petite pour vous accueillir, la voiture était trop petite pour vous accueillir, Nous ne l'avons jamais revu. Dans la cohue de la sortie, nous avons été mis à l'intérieur de la voiture.
Vous avez tout à l'heure parlé d'autres types de personnes vulnérables, donc les gens évacués des hôpitaux. Est-ce que les autorités Khmer Rouge avaient pris des mesures pour s'assurer que les personnes vulnérables puissent survivre à l'évacuation de Phnom Penh dans la chaleur d'avril? Est-ce qu'il y avait des moyens de transport, des soins médicaux, de l'eau, de la nourriture qui était distribuée aux personnes les plus vulnérables? Non, monsieur, il n'y a aucune assistance psychologique aux personnes vulnérables. Il n'y a aucune assistance psychologique aux personnes vulnérables. Si c'était chacun pour soi, est-ce que en quittant la ville dans votre voiture, vous avez vu des gens qui n'étaient pas capables de continuer à marcher et abandonner la marche? ដែលដើរទៅមុខហើយសុខចិត្តនៅតាមផ្លូវពីព្រោះថាពួកគេមិនអាចតាមដើរទៅមុខបានទៀតទេនោះគ្មានឃើញទេ Le type de personne qui se trouvait morte au bord de la route. Oui, d'abord, le premier cadavre que j'ai vu, c'était bien des militaires qui étaient en uniforme. Ils étaient très sur le bord de la route. Ils étaient très sur le bord de la route. Ils étaient très sur le bord de la route. Ils étaient très sur le bord de la route. D'exténuation, ou je ne sais pas, il y avait d'autres cadavres dans la route. Je ne me suis pas arrêtée. Je n'ai pas arrêté. 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 Et ces cadavres n'avaient pour leur part pas d'uniforme. C'était la bien civile. Je n'ai pas arrêté. 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 Merci. Une fois que vous êtes arrivé au village de Tukville, le 19 avril, je crois, et vous avez dit que vous êtes ensuite allé sur l'île de Tukville, est-ce que l'on vous a demandé votre avis avant de vous transférer sur l'île de Tukville? ចាំឡើយគឺអត់ទេគ្មានតតែសោះតែម្ដងលោកសាក់ព្រះញ្ញាគេមិនសួរទេគេមិនខ្វល់ថាយើងចង់មិនចង់ទេមេភូមិមកដល់មកក្រុមហើយពួកគេជ្រើសរើសយើងតែម្ដងចោលដៃយកតែម្ដងនេះអានេះទៅនេះអានេះនៅម្ដងអានេះឡើងឡានគឺអត់មានឲ្យយើងជ្រើសរើសអីទេគឺចោលដាក់ចោលដាក់ចាប់យកទៅតែម្ដងមែរស៊ីអនទូ Le jour où vous êtes arrivé à Surville, combien de familles évacuées de Phnom Penh ont été sélectionnées pour vivre sur l'île de Koh Tuk Ville? Le 20 avril, vous arrivez sur l'île de Koh Tuk Ville. Cela faisait donc 3 jours après l'évacuation.
Est-ce que à un certain moment les soldats américains ou les officiels ont-ils justifié que vous ne puissiez pas rentrer au bout des trois jours comme il avait dit au départ, que vous ne puissiez pas rentrer à Phnom Penh? Est-ce qu'ils ont avancé une justification? Non, personne ne nous a demandé après Phnom Penh. On a reçu une information. Et le chef du village, M. Thiem, qui s'appelait M. Thiem, il n'y a pas aucun détail. Et c'est là, une semaine après, M. Thiem a reçu une réunion. Dans la ville de Phnom Penh, où il nous a annoncé le résultat du vrai sort. Merci. À propos de cette pagode, de cette réunion à la pagode de Pré-Tout, tout à l'heure, vous avez mentionné en passant un certain nombre de noms. Il y avait des Khmer Rouges qui pouvaient s'appeler Ta Chen, Ta Mok, Ta Si. Est-ce que l'un d'entre eux se trouvait présent ou a pris la parole à la pagode de Pré-Tout? Non, lors de cette réunion à la pagode, on vous a annoncé que vous étiez des prisonniers d'Ankar. À propos de ce terme de prisonnier d'Ankar, vous avez également dit tout à l'heure que vous étiez dans une prison sans mur. Est-ce qu'entre le 17 avril 1975 et le 7 janvier 1979, lors de l'évacuation à Kotukville, dans le nord-ouest, est-ce que vous avez jamais bénéficié de certaines libertés individuelles ou collectives qui vous auraient fait penser que vous n'étiez pas des prisonniers d'Ankar? Évidemment, c'était une prison à ciel ouvert. Nous étions réellement leurs prisonniers. Merci bien. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que M. Chen, au village de, sur l'île de Kotukville, avait parlé de discipline, ou du moins du comportement, l'apparence, qu'il fallait s'habiller en noir, etc. Vous avez assigné des travaux. Est-ce que M. Chin vous a parlé des commandements d'Ankar? Oui, nous avons reçu les 10 commandements d'Ankar à partir d'aujourd'hui. Je ne peux pas vous les citer comme ça, mais il y avait beaucoup de recommandations à retenir et à ne pas faire. Tout ce qui doit vous être votre critique, vous ne devez plus battre vos enfants, ce sont les gens qui sont les enfants d'Ankar. Vous devez travailler, Vous devez travailler, dans la paume de ma main. Vous devez travailler. C'est clair.
Merci. Lorsque M. Chen vous a dit de partir sur base de liste, il ne vous a pas dit où, mais était-ce l'un de ces ordres qui n'appelait pas à discussion? Un peu comme celui qui avait été donné à Phnom Penh pour l'évacuation. La liste que M. Chen a en main venait de l'Ontario. La liste que M. Chen a en main venait de l'Ontario. Au moment de votre transfert vers le nord-ouest, d'abord en camion, vers Poussat, est-ce qu'il y avait, à part les gens qui étaient déplacés de l'île de Touqueville avec vous, est-ce qu'il y avait des gens qui venaient d'autres localités autour de cette localité de Touqueville qui faisaient partie du voyage, comme vous, des évacués? Oui, c'était que des réfugiés de Phnom Penh. On parle encore de réfugiés, et parmi les gens de Touqueville, il y avait d'autres villages alentour qui étaient regroupés en même temps. Il y avait un camion, il y avait autre chose, et il y avait un camion qui était en train de se faire en train de se faire en train de se faire. Après votre voyage en camion avec tous ces gens, vous arrivez à Poursat. Est-ce qu'il y avait de nombreuses personnes déplacées ou évacuées des villes également qui se trouvaient déjà à cet endroit lorsque vous êtes arrivé? Mình nạ tới đó muốn dưỡng tiết kia chúm liếc tới muốn dưỡng tiết kia nạ Phnom Penh có miền nạ ếp xinh kia chúm liếc tới đó muốn dưỡng tiết hỏi hỏi mình mên mình nạ Phnom Penh nạ mọc bị cổng xinh chứ có miền này. Merci. Est-ce que vous savez d'où venaient ces gens? Est-ce que vous, ils venaient d'être transférés? Si vous avez été transférés comme vous vers Poursat. Chúng nói khi nhóm đăng tế vì bữa tháng được bê nút cứ thật khi nhóm mình chạp ở rộng từng lưu chúng nói cho đăng tế à vậy để khi nhóm chạp ở rộng nó cứ thật mơ thai con được bác nhóm như thế con bư được bác nhóm đầy đầy liên ọt miền bái nữa nhưng mình khoảng tháng là nam ở Việt Nam thế nhưng kết thật thương mấy ai con trai nhưng bạn hôm chọc tại bất nông. Merci. Si je résume, vous nous avez dit à propos de ce deuxième déplacement que vous avez quitté Kotoville sur base de liste, et c'était un ordre donné par M. Chen. Vous avez été déplacé en camion avec des gens de la région, d'autres évacués, puis en train à partir de Poursat. Que Poursat, c'était un lieu de rassemblement d'attente, et que par la suite, vous êtes arrivé à Phnom Lip, je crois, et là, vous avez été répartis dans différents villages. Est-ce que c'est correct de dire sur cette base-là que ce déplacement était relativement organisé par la Khmer Rouge par rapport à l'évacuation de Phnom Penh, où il n'y avait aucun moyen qui avait été mis à disposition des réfugiés ou des évacués, pardon? Đặc trưng chu này thế mà tay chấm liếp nó cứ riệp chấm trầm trời chấm lói muốn nôm liếp cứ dân tại đó xoay xì xì phân tranh bị bồ sạt nó dân chi trả tớ tới xoay xì xì phân nơi lại nó kê riệp chấm bởi chìa chân đạo chìa cồng chìa cồng hơi cái đọc cửu ở dân đạo mạc cồng hay dân dân nơi lấy học sử pi. Hay và tóm á, cái đặc tam trạ tơ tơ đào Phnom Liệp. Nhưng à vậy với cái rệp chom hơi ba hơi cái mưa khơi tham liên cao rệp chom trầm trầy rệp chom chỉ crom chỉ bụi anh chân. Hay dương cứ dương hoạt đăng thế, dương hoạt đăng thay dương thử tơ ná đấy, nâng thay cái bị chun tơ ná tơ nấy thế. Dương mình đăng thay, tiếng dương mình đăng thay kia là một bài côn dương trên bị dương tiếp không? Sơn núa, sơn bao cuốn, sơn bạc dương mình chỉ làm thế lúc xây, người dây chỉ cho ăn được, cho ăn xa thay, kia đặc được sạch thiệt chân đạn được lòng làm. Est-ce que vous avez reçu une quelconque assistance en termes de nourriture et d'eau durant les trajets?
chôm lại ót miên toa tại sao cứ tật tê cứ dương ai con dương thật hay là nhằm bán nữa cái thay cứ chỉ chấm đầy hai để dương sau bị quạt máu để dương giờ bị quạt máu dương ai con hay là cái nông lan nó không biết là na cái khoa cái ai dương hộp chọc ấy thế cái mình phép dương thang dương thằng dương tân na dương chụp sầm ra dương mạch cái ót thằng chụp ai dương ai bật đầy bật dương ấy phong cứ ót miên toa tại sao cứ thang rơi tại nơi cái nông lan nâng là hốt ta mà đo ót miên ai chọc tân na mà na thì không biết ca chui ấy thằng Malheureusement, si j'avais le choix, je serais allée ailleurs. Dans un autre monde. Non, on n'a pas le choix. Merci beaucoup, madame Afonso. Je vais céder la parole à mon collègue si la question pour le ministre qui est en train. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci សូមគោរពលោកប្រធានសូមគោរពលោកសិស្សចក្រមនិងអង្គសន្និការទាំងនោះជំរាបសួរអ្នកស្រីអាហ្វាន់សូខ្ញុំឈ្មោះច័ន្ទរស្មីជាសាភរិញ្ញារឿងជាតិនៃអង្គជំនួយតុលាការកម្ពុជានៅទីនេះសូមជំរាបសួរសំណួរមួយចំនួនទៅលោកសិស្សបន្ថែមលើសាខារីខ្ញុំបានសួរបាញ់មិញនេះបាទ សូមលោកសិស្សជួយបញ្ជាក់បន្ថែមពីការជំនះដោយបង្ខំចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃ18មេសាឆ្នាំ2015តើតើនឹងការបញ្ជាក្នុងការជំនះប្រជាជនខ្ញុំសូមសួរថាតើពួកខ្មែរក្រហមបាននិយាយប្រាប់ដែរឬទេអំពីការដឹកជញ្ជូនប្រជាជនចេញពីទីក្រុងតើគេបានប្រាប់អំពីមធ្យោបាយដែលត្រូវដឹកប្រជាជនចេញដូចជារថយន្តបូឡានតាក់ស៊ីឬក៏រថភ្លើងឬក៏ប្រឡានក្រុង ដើម្បីសម្រួលដល់ការចម្លៀនេះដែរទេបាទចំឡើយនៅពេលដែលគេបញ្ជាឲ្យយើងចេញពីភ្នំពេញដូចខ្ញុំបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺថាគេគ្រាន់តែប្រាប់ថា ចេញទៅចេញតែ២៣ថ្ងៃទេមិនបាច់យកអីវ៉ាន់អីច្រើនទេយកតែរបស់របរណាចាំបាច់ទៅបានហើយគឺថានឹងមកវិញហើយហើយមុនចេញសូមទុកសោមកគេមិនប្រាប់យើងទៀតថាយើងត្រូវចេញតាមណាតាមណាទេគ្មានអ្នកណាប្រាប់ទេ គេគាត់ប្រាប់ថាទៅតាមនេះទៅអង្គការចាំហើយកន្លែងនេះអង្គការចាំដូច្នេះអត់មានការជួយអីទាំងអស់ ប្រាប់ឲ្យយើងចេញគឺចេញទៅតែម្ដងបាទអរគុណតើគេបានប្រាប់អំពីមធ្យោបាយធ្វើដំណើរតាមមធ្យោបាយណាដែរទេតើគេបានប្រាប់ថាឲ្យយកចំណីអាហារឬក៏ថ្នាំពេទ្យទៅជាមួយដែរទេ ចំឡើយគេមិនបានប្រាប់ថាយើងជិះអីជិះអីទេគេគ្រាន់តែប្រាប់ថាអ្នកឯងត្រូវតែចេញពីផ្ទះជាដាច់ខាតហើយយករបស់របរតែចាំបាច់ទៅបានហើយនេះគឺជាការបញ្ជាក៏ប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំយកឯកសារអត្តសញ្ញាណទៅទាំងអស់ ដើម្បីអាចបញ្ជាក់ប្រាប់ពួកវាថាខ្ញុំជាជនជាតិបារាំងហើយគេឲ្យខ្ញុំប្រហែលជាគេអាចឲ្យខ្ញុំទៅស្ថានទូតបារាំងក៏មិនតែអត់ទេគេអត់មានឲ្យទៅទេប្តីខ្ញុំនិយាយចិននិយាយខ្មែរដូច្នេះគេគិតថាខ្ញុំត្រូវតែជាខ្មែរដែរអញ្ចឹងគេអត់មានអនុគ្រោះត្រាប្តីខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅស្ថានទូតទេគឺត្រូវតែទៅជាមួយប្តីខ្ញុំបាទអរគុណលោកស្រីសូមលោកស្រីជួយបញ្ជាក់ថាតើលោកស្រីនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់
ហើយលោកស្រីត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមឆែកឆេរខ្លួនប្រាណខ្នំឡុងពេលជំនះចេញពីទីក្រុងឬនៅក្រៅទីក្រុងដែរឬទេបាទ ចំឡើយនៅពេលចេញពីផ្ទះហើយយើងចេញទៅតាមផ្លូវមនីវងទៅខាងត្បូងតាមទិសតាខ្មៅគឺមិនមានការឆៃឆេទេនៅពេលចេញតាមផ្លូវមានតាហ៊ានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលចេញពីតាខ្មៅនោះមានប៉ុស្តិ៍យាមមួយចេញពីតាខ្មៅទៅមានប៉ុស្តិ៍យាមហើយគេឆៃឆេយើងគេ ដកលើកឯវ៉ាន់ចេញទាំងអស់ចេញពីឡានមើលឯកសារយើងអីទាំងអស់ហើយពេលនោះឲ្យខ្ញុំបង្ហាញបានកុងស៊ុលបានលិខិតឆ្លងដែនឲ្យខ្ញុំប្រាប់គេថាខ្ញុំជនជាតិបារាំងឲ្យខ្ញុំទៅស្ថានទូតបារាំងមកខ្ញុំវល់គេហើយគេយកទាំងអស់គេយកកំទេចចោលតែម្ដងក៏ចាប់ឯវ៉ាន់ឯកសាររបស់ខ្ញុំទាំងអស់នោះសមអគុណតើពួកខ្មែរក្រហមមានប្រតិកម្មយ៉ាងដូចម្ដេចនៅពេលដែលពួកគេដឹងថាអ្នកស្រី នឹងកូនរបស់អ្នកស្រីគឺជាជនជាតិបារាំងនោះបាទដើមរងរដ្ឋអភិនីលោកត្រីអហ្វុងសូក៏មិនទាន់ឆ្លើយបាទសូមចេញលោកមេធាវី មេធាវីកាន់វ៉ាសូមជម្រាបសួរលោកលោកស្រីជាក្រុមលោកប្រធានហើយលោកស្រីសាក់សីខ្ញុំសូមមកភ័យទោសដែលខ្ញុំសំទាស់ឥឡូវនេះគឺថាមានសំណួរធួនជាងហើយគឺថាសំណួរដដែលហើយគឺថាមិនចាំបាច់សួរពីរដងបីដងក៏ផលិតមើលសំណួរ ដំណាងសំណួរឃើញសួររួចមកហើយបើសួរហេតុអ្វីគឺថាដំណាងសំណួរឃើញសួររួចមកហើយបើសួរហេតុអ្វីគឺថាអាចធ្វើឲ្យសាក់សីកាន់តែមានជំងឺបាក់ស្បាតធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅតាមទម្ងន់នៃជំងឺបាទបាទដំណាងរដ្ឋវេនីសំអភ័យទោសបាទសមអគុណលោកប្រធានសំណួរនេះគឺគ្រាន់តែខ្ញុំចង់ដឹងបញ្ជាក់បន្ថែមប៉ុន្តែបើសិនជា ខ្ញុំយកតោះទេអាចដល់លោកធានខ្ញុំសូមសម្រាប់ទំនួនមួយទៀតដែលមានសំខាន់តទៅនឹងសម្មតិមួយទៀតនេះសម្មួរសូមសួរថាលោកស្រីតើនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមលោកស្រីបានឃើញថានៅពេលនោះមានការចាយលុយនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែរទេហើយលោកស្រីបានជួបមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមណាខ្លះនៅពេលដែលលោកស្រីជម្រះទៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗនោះបាទ នោះចំឡើយអត់ទេនៅពេលទៅដល់កោះទឹកវិលនឹងគឺគេលុបការចាយវាលុយកាក់ឲ្យអត់មានការចាយលុយទេគឺថាយើងដោះដូរគ្នាយករបស់របរទៅដោះដូរគ្នាអត់មានលុយចរាចរលុយកាក់អីទេតើអរគុណតើនៅ កោះទឹកវិលដែលលោកស្រីទៅដល់នោះទីនោះលោកស្រីត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យធ្វើការជាទម្ងន់នៅទីនោះតើការងារនោះលោកស្រីដឹងថាដាក់បញ្ជាមកពីថ្នាក់ណាដែរហើយលោកស្រីធ្លាប់បានជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំណាដែរទៅនៅក្នុងពេលដែលលោកស្រីស្នាក់នៅរស់នៅទឹកកោះវិលនោះ ចម្លើយ បញ្ជាគឺចេញមកពីអង្គការនិយាយថាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅអ្នកឯងត្រូវតែធ្វើការក្មេងកូនក៏ធ្វើការដែរមិនត្រូវរៀនសូត្រអីទេមិនចាំបាច់លេងមិនចាំបាច់រៀនអីទេគឺហើយកូនរបស់ខ្ញុំនឹងមានតុក្កតាមួយដែលជាអំណោយបុណ្យអែលរបស់ស្ថានទូត បារាំងនោះកូនខ្ញុំកាន់តុក្កតានោះហើយពួកវាទាញតុក្កតានោះចឹងហើយគប់ចោលទៅដីក្បត់ចោលហើយប្រាប់ថាអត់មានលេងតុក្កតាអីទៀតទេចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅហាមលេងដាច់ខាតបាទអរគុណតើលោកស្រីដែលបានជួបលោកអៀងសេរីលោកខៀវសំផនលោកនុនជាឬក៏លោកស្រីអៀងធរិត
ដែលទេនៅពេលដែលលោកសេស្នាក់នៅក្នុងធ្វើការនៅជំរុំកោះទឹកវល់នោះអើ ចម្លើយ ខ្ញុំមិនដែលទាំងឮឈ្មោះ មេដឹកនាំទាំងអស់នឹងផង មិននិយាយដល់ការជួបផងគាត់ ថាឈ្មោះក៏មិនដែលឮផង សមគុណសមមុតចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺសូមសួរថារាល់ពេលដែលគេអញ្ជើញទៅលោកស្រីចូលរួមប្រជុំតើលោកស្រីជួបជាមួយនឹងអ្នកជាប្រធានអង្គប្រជុំនឹងជាណាហើយគាត់ជាឋានៈណាដែរហើយគាត់បានន័យអ្វីខ្លះនៅពេលអង្គប្រជុំនោះបាទ ចម្លើយប្រធានបទគឺដដែលដបូងគឺថាសោតបញ្ជារបស់អង្គការបន្ទាប់មកយើងនិយាយដដែលថាយើងត្រូវតែធ្វើនេះធ្វើនោះយើងត្រូវតែគោរពយើងមិនត្រូវល្មើសនឹងអង្គការឡើយគេផ្ដល់កម្មវិធីឲ្យយើងធ្វើការសម្រាប់ថ្ងៃបន្ទាប់ប៉ះសិនបើយើងប្រព្រឹត្តកំហុសនោះយើងត្រូវតែស្វ័យទីទានខ្លួនឯងនៅចំពោះមុខអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងអង្គប្រជុំ ខ្ញុំសូមអរគុណលោកស្រីដែលសារពេលវេលាអត់មានហើយពេលវេលាមានកម្រិតខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្ដល់នៅចម្លើយដ៏ល្អហើយតេតិននឹងសេចក្តីកម្មថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំគិតថាមានសារសំខាន់ដែលចូលរួមក្នុងការស្វែងរកការពិតនៅស្លាកទីផ្នែកក្រុមនេះសូមជូនពរលោកស្រីជួបតែសំណាងល្អនិងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតការងារបាទសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំសូមអរគុណហើយសូមបញ្ចប់ការសួរ
ตามมชุบใบสอตัวได้เตรียมส่วนใหญ่ดาวดาวกรมบัญชีการเปียกระดิ่งส่งเพียกี้หนึ่งสาธิตในจนเชียบลูกไทยอย่าพงโซเดนี้การสนับสนุนใครกรรมบรรลุไทยน้องเนียมได้มาดังรอบปีนี้เนื้อมันตอนจอมในลายตีอังยมเรียกนึ่งมันตอนเพื่อสัมนาคาสนับสนุนใครกรรมบรรลุไทยเนื้อเรือเสือไทยสายเตี้ยดาวจับดาวเพื่อสัมนาคาเนื้อเปลี่ยนมองโดยไทยนี่ได้ให้อังยมเรียกก็หันเชื่อลูกไทยมอง กันกระไรในลูกไทยองคุยปลอดตะไคร่กำนุ่มดำใบบรรทออปลอดตะไคร่กำเนื้อเรือเสือไทยไอ้ให้ประหอตีดอกใบไข่ธนูชนำไปปีปอนดอกปีเตี้ยให้สัมนาคาสำหรับไทยนี่สำหรับธรรมนี่ลูกไทยอาพงโซอังยมเรียกสมอกุลลูกไทยนังเมจวีจูเลียนริเว Merci, monsieur. Merci, monsieur le président. 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 นั่งสำหรับกิจการในไงสายเป็นวิริยะเสียดีให้ประกอบไอ้อนุเรศที่คงแข็งนองคลุนจุดจับจ่อต่างไปรูปแต่การมันที่คงแข็งในอวตารกวิญเจ้าให้นางไอ้นองคลุนประกอบตลอดมังกรกันไรสารสัมนาคาอันนี้เว้นในประเทศไทยอับบันมลมองประมุ่นได้ไล่ลูกเอียงสิริไอ้นองคลุนก้อนมันในตรมันตุกคงคลุนได้ในปีกราวิตุกสัมนาคานี่ได้มีเรียบจอมในประกอบสอตุสำหรับกอดอาจูรุ่มนึงตามร้านกิจสัมนาคาปีจงไงสำหรับเจ้า